女はすべて話した。心配するな、お前の希望通り楽にしてやった。ほら、これがご褒美だ。お前は仲間を売った。これで一人前の兵士だ。大丈夫、家には帰れるさ。ボスによろしくな。10日前、パスの生存が確認された。生きていたのか。ああ、カリブ海洋上を漂流中、ベリーズの漁師に救助されたらしい。それで俺たちの情報が漏れる、だからパスの口を封じろと。いや、そうじゃない。米国の非政府諜報機関サイファーはパスにダブルスパイの権利をかけた。そのため彼女はキューバ南端の収容キャンプで尋問を受けている。キューバの中のアメリカ、法を逃れたブラックサイト、マザーベース査察の件、これと無関係とは思え。国連の核査察、おそらくパスのリークを裏付けるためだ。俺たちは国家に帰属しない軍隊だ。この軍事力が明るみに出れば世界中が敵に回る。だがパスを送り込んだサイファーという非政府諜報機関にとっても脅威だ。パスはサイファーの正体を知っている。ああ、生きているならこちらに協力してもらいたい。サイファーへの唯一の手がかりだ。一人は、ああ、事故、パスと同じエリアに囚われている。
最後の無線連絡は40時間前。ターゲットは2人、シコとパスタ。南岸から敷地内へ潜入。2人を救出し、ランデブーポイントで指示を出してくれ。キューバ本国との境界からヘリをよこす。明日の昼にはマザーベースに戻れる。その頃にはこっちの客も帰っているだろう。我がことは政治が絡む。すまないが増援は出せない。ああ、たまには一人がいいさ。キャンプ前に到着。予定通りだな、スネーク。ブランクがあるとは思えん。待たせたな。潜入任務だ。敵に見つかるな。まずは双眼鏡で状況を把握するんだ。Mais ça, Nicolas, on se retrouve pour ce qui sera sûrement l'avant-dernière vidéo sur ma chaîne. Après, j'arrête les vidéos. Donc, je vous expliquerai ça en temps voulu sur une autre vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la version, la fin du Let's Play commencé il y a longtemps sur Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, en version japonaise. Donc, je vais vous dire un peu que j'ai écouté à peu près tous les Let's Play du... Alors, je vous dis tout de suite, je vais y aller en quasiment, je vais pas me gêner parce que là, putain la lumière. Voilà, donc là, je me concentre un peu. Putain. Voilà. Donc là, je vais y aller vraiment en bourrin parce que vu ce qui s'est passé dans la cassette numéro 4 qui avait choqué beaucoup de monde, on va dire choqué beaucoup de joueurs, hein. Si vous ne l'avez pas écouté, ça reste quand même du lourd, hein. C'est enfin du lourd du... La gueule. Ça reste quand même dur parce que c'est quand même l'une des cassettes les plus traumatisantes. Enfin voilà, l'atmosphère est bien plus sombre dans cet opus-là que les autres. Et surtout, c'est l'un des premiers Metal Gear. Ouais, c'est le premier. Cause du bord. C'est beaucoup plus dur dans ce, enfin c'est beaucoup plus chiant sur celui-là parce que c'était un peu la. C'est un peu le premier, on va dire, c'est le premier Metal Gear où on fait un peu ce qu'on veut.
Ah, ouais, mais il leur a demandé de retourner à leur poste. Parce qu'ils ont rien trouvé. Donc c'est pas un peu, c'est la même voix que dans les FOB. Mais quand même beaucoup de mal à accepter que c'est le véritable Big Boss quand même, parce qu'il est beaucoup plus lent que Venom. C'est un peu incroyable, c'est incroyable de dire ça, mais c'est vrai. Alors pour avoir fait tous les, écoutez, une bonne partie des let's play en japonais, je peux vous dire que la voix d'Akio Tsuka est vraiment la, ma préférée sur ces opus là. Couche-toi. On peut pas les filtonner, c'est ça le problème. Alors, on va devoir le. D'abord, je crois que je vais chercher Chico en premier. Je vais chercher Chico en premier, hein, Chico qui avait été. Qui avait un, il y a eu un concept art que je vous conseille d'aller voir. Hein, il y avait un concept non utilisé de ce qu'il aurait, de ce qu'il aurait pu donner s'il avait été. Utilisé dans The Phantom Pain, qui reste, voilà, quoi, il reste, ça reste quand même un peu, voilà, moi je suis un petit peu, quand j'ai vu ça, je me suis dit merde, qu'on aurait pu avoir un autre antagonisme, enfin, ça faisait un peu Skullface, il ressemblait un peu à Skullface étant jeune, enfin voilà, un Skullface jeune. Moi, ça m'aurait pas gêné. Bah, pourtant, je vise la tête, hein, c'est moi qui vous lis, hein, vous me voyez là quand même. Hein. J'ai entendu quelque chose, voir si je peux me surprendre, parce que les munitions peuvent pas demander de... Oula! Et le mode réflexe est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus... beaucoup plus long, long à... beaucoup plus long sur cet opus là, c'était un peu le premier à montrer comment ce que ça donnerait. Oh putain, ça c'est un gros problème aussi, c'est quand vous voulez par rapport à The... Bon, moi je préfère la voix japonaise, hein, je les ai écoutés, voilà, ça fait longtemps que mec, je ne joue plus qu'aux voix japonaises, et là je me dis que c'est bien meilleur. Je trouve que les acteurs jouent mieux leur rôle quand... jouent mieux leur rôle. Bon après, ce sont tous, à la différence des voix, la voix américaine, ce sont des... c'est vraiment leur travail, quoi, de dire, voilà. Ce sont tous des seiyuu, qu'on appelle ça. Bon après, je vous dis pas que la voix, toutes les voix sont bien meilleures en japonais. C'est sûr que la voix de... La voix de notre Big Boss est pour moi bien meilleure. Si je vais faire un top, je mettrai la voix de Akio Tsuka en premier et je mettrai sûrement Kiefer Sutherland en deuxième. Mais j'aurais préféré avoir, c'est vrai que ah, on va là. Pour les japonais, ça n'a pas été oh putain. Et il s'arrête en plein milieu des deux tirs, hein, ce con. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, qu'est-ce qu'il a? Voilà, ça peut se traduire comme ça. Ouais, j'ai commandé ça sur Amazon, elle m'a coûté vraiment pas cher. C'est vraiment, vraiment pratique, Amazon, c'est... bien plus que sur PlayAsia, je pensais la prendre sur PlayAsia. Alors, je vais attendre un peu. Pour avoir une bonne surface, bien le tuer tranquillement. Voilà. Après, là, je suis obligé de quand même tout refaire toute l'émission. C'était une nouvelle sauvegarde, donc nouvelle, le jeu m'a pas pris en compte, à la différence de Phantom Pain, lui m'a pas pris en compte. Pour lui, je n'ai jamais joué au jeu, donc, sur ma version anglaise, bah, tant pis, hein, c'est tout à refaire. Là, je crois qu'il y a des ennemis pas loin. Il faudrait que je me souvienne une fois que moi, qui patrouille ici. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué, à cette mission, ouais. Il y en a ici. J'aille sauver Chico, donc je vous ferai peut-être un petit montage.
Viens me voir, viens me voir. J'ai un truc à te donner. Waouh. Ah oui, il bouge pas, lui, c'est... Il ne bouge pas, quoi. C'est la différence du The Phantom Pain et TTP. Ils vont vraiment... La cible n'est pas loin. Merci, Kaz. Je vais le balancer à la flotte. C'est vraiment avec cet opus-là que j'ai repris la série. Parce qu'avant, j'avais lâché. J'avais fait Open Snake chez un ami, mais j'ai lâché complètement. C'est sûr si je peux l'avoir d'ici. Cool. Ah, ça, c'est un truc aussi, c'est que Big Boss est beaucoup plus rapide quand il s'agit d'ouvrir de crocheter une clé que Venom. Voilà. Bon, c'est un... Là, je les ramènerai dans hors caméra, je vais pas vous imposer tout ça.見つけたぞ。パスは。いやいない。パスがいない。ああ、いない。事故は歩けそうか。ちょっと待て。これは無理だな。担いでいくしかないな。ボス、予定を変更しよう。 C'est vraiment un CEO que j'adore, c'est une partie des CEO que il y en a beaucoup quand même que j'aime. Mais lui, Akio Tsuka, c'est vraiment celui que je préfère. Parce qu'on le retrouve vraiment sur des rôles qui sont très différents. Le rôle de Wamuu, par exemple. Non, je ne t'aiderai pas. Le temps que là, je vais devoir me débarrasser. C'est vraiment le rôle, par exemple, de Wamuu sur le jeu vidéo Jojo's Bizarre Adventure. All-Star Battle est vraiment énorme. Je vais demander à Nico, comment il faut que je me réhabitue. C'est pas les mêmes. Ah, j'avais du mal parce que j'ai du mal parce que c'est pas les mêmes touches sur cet opus. Ouais, je vais demander à Nico de venir récupérer Chico. Le rôle de Wamuu est vraiment excellent comme il le fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce qu'on pourrait les rôles les plus marquants? Bon, l'un des plus marquants, bon, c'est évidemment Snake, Big Boss, Solid et Venom, Big Boss. Mais on peut aussi citer par exemple dans Bleach, par exemple, Shinsui Kyuraku, c'est lui quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il faut que je retrouve d'autre? Dans Senseiya, c'est lui qui fait Hades. Ça c'est vraiment génial quoi. C'est vraiment un acteur qui a vraiment des multiples, à dire que cordes à son arc.
もう死んだ。これいつ録音した？もう死んだ。 C'est encore plus marquant quand on sait que c'est le vrai Big Boss, quoi. C'est lui, quoi, c'est lui. Tu vois, tu m'as balancé, je le sais. Ne dis pas le contraire. Ouais, je sais, hein. Il a déjà été assez torturé comme ça, le pauvre, vu ce qu'il a, il a dégusté. Ouais, mon fou est arrivé et je vais le mettre dedans. Il faut que je fasse, que je me souvienne de la touche parce qu'il faut pas que je fasse la connerie de m'embarquer moi aussi. Voilà, c'est bon. Bon, on va dire que là, on a commencé par la partie la plus facile. C'était un peu ça du jeu, hein. Mais c'est là que ça va devenir un peu plus chiant, parce qu'on va devoir s'infiltrer dans le complexe, si on peut appeler ça. Et ça c'est un peu problématique, c'est que quand je lui demande de faire ça, bah il le fait pas directement. Alors que Venom, lui, le fait automatiquement, lui, je me débarrassais de... comme ça. Alors je vais avoir une note dégueulasse parce que je tue tout le monde, mais vu ce qui s'est passé là-dedans, je suis en droit de me faire plaisir, vraiment. Je crois qu'il y a quelqu'un ici, alors je crois qu'il y a une méthode pour grimper, il faudrait que je réussisse à grimper dedans. Voilà, j'ai plus qu'à attendre maintenant. Ouais, la voix... Ouais, il nous demande en fait de réécouter la cassette une deuxième fois pour trouver d'autres indices, ou savoir où est-ce qu'elle pourrait se trouver. Nouchido, c'est encore une fois... bon, je connais évidemment les dialogues en... personne. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y en a un qui remonte dans le truc, mais je crois pas que ça va se faire ici. Je crois que j'ai dû le tuer sans faire exprès. D'ailleurs, je vais lui, je vais lâcher parce que s'il se réveille, ce sera sympa, ce serait marrant pour ma gueule si quand je vais repasser par ici. Je vais passer par l'autre côté, je vais passer par là. Lui, il est là, lui, et il en reste un qui est quelque part par ici. Il y en a un autre à marquer là. C'est parti des défis d'ailleurs à faire. C'est de marquer le plus de soldats le plus rapidement possible. Oh, putain, ils ont tout remis les soldats. Oh bah lui il est resté là lui. Ah, je vais pas gâcher des munitions déjà que mon silencieux est plus que dans la merde. Il faudrait que j'ai une... Je pense que ça servira à rien. Alors bizarrement, cette tenue d'infiltration, elle n'est pas du tout recommandée pour les fobs, parce que ça ressemble un peu à une fob, parce que c'est métallique, c'est pas pareil que les yeux. J'ai entendu quelqu'un parler là. Enfin, peu importe, s'il y en a un que... Ouais, vous êtes plus ces deux-là. Donc, elle n'est pas du tout faite pour cette... Salut, toi. Elle n'est pas du tout faite pour ce genre d'environnement.
déjà que dans Peace Walker, eh ben, c'était déjà vous vous faisiez bien repérer, déjà que je le refais Peace Walker, parce que je suis bloqué à la salle de torture et j'arrive pas à le refaire. J'arrive pas du tout. C'est le passage que je déteste dans sur Peace Walker. Mais vraiment. Autant elle vous apprend des choses très intéressantes sur Big Boss et sa relation avec The Boss, mais elle est chiante quand il faut appuyer comme un fou. C'est aussi le premier jeu que j'avais capturé. Ouais, et là, le mec vous voit de 30 mètres. Je crois que c'est le NR, c'est aussi. C'était le premier jeu que j'avais capturé en vidéo. Puis voilà, quoi, ça c'est... Ah, je pousse une caméra. Nous on va passer, ouais, il y a une caméra, il y a un mec là. Elle sera longue cette vidéo, je vous dis tout de suite. Peut-être 45-50 minutes. Mais voilà, quoi, ça fait. Bien, parce que quand tu fais ça, quand tu coupes et détruis les caméras. Eh ben, ça te fait des points d'espionnage en plus en fog. C'est les seuls endroits où il y a des caméras. Il y en a une à l'aéroport Braga. Ils s'en battent les couilles complètement, hein. C'est, je m'en bats les couilles, c'est, ils sont ici sur la One Again, hein, ici. Ils sont très cool, hein, les R-70, hein, les soldats. Qu'est-ce que je prends? Je vais changer parce que mon suppresseur va partir. Et on a remarqué aussi, si vous avez remarqué, le magazine, ça sert à rien, que, évidemment, il y avait cette fameuse lumière qui efface les traces, qui a été utilisée d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est là. Bah, il me demande d'ouvrir. Gate. Alors ça c'est un truc que je déteste, je vous le dis, mais j'aime pas quand ils utilisent des mots anglais. Oh putain, alors là, on va faire gaffe. La lumière m'a fait repérer, ça fait chier. Ah, je vous le dis, la cassette numéro 4, elle m'a tellement traumatisé qu'à chaque fois que je fais cette mission, je tue tout le monde, sans exception. C'est un petit record que je me fais. Parce que putain, cette cassette 4, on n'était vraiment pas attendu à la voir là. Cette cassette numéro 4, je peux vous dire que, putain, quand j'ai écouté, je me suis dit, attends, c'est vraiment Kojima qui a écrit ça? C'est pas possible, ça. Il y en a deux, là. On va trouver un corps. Faites attention aussi sur vos gardes. Là, je suis sûr qu'il y en a un, là. Ah, c'était peut-être le mec que j'ai tué, là. Bon, auquel cas on s'en fout. Ouais, c'est là qu'il s'est passé les... Je suppose que ce sont là.
Ouais, elle peut pas marcher, de toute façon, ça va être beaucoup plus chiant, là, il va falloir faire très, très attention, mais comme j'ai nettoyé le secteur, bah, la voile est vraiment plus, les japonaises, elle est vraiment plus... Bon, lui, il est apparu là comme par hasard, hein. J'essaie de le surprendre par derrière. Bon, lui, je vais le tuer. Lâche-la. Voilà, toi, t'as gagné. J'aurais voulu la faire comme ça, c'est bizarre, parce que je pensais avoir touché la tête. Bah, non. Bah, faut croire que non. Là, c'est vachement bizarre ce qui s'est passé. C'est franchement bizarre, là, ce qui s'est passé. Bah, putain, non. Ouais, il a demandé des renforts, là. Des renforts en double, en plus. Allez, lève-toi. J'arrive pas à la refaire. Je vous jure que j'arrive. Voilà, ils ont dit, et on va se rendre au dernier point de rendez-vous, parce qu'on va vérifier un peu. Ben, on va faire comme en fin. Ben, on va attendre. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je pensais lui avoir touché la tête. Je vous jure que c'est vrai, quoi. Je pensais lui avoir touché la tête. Bon. Je vous jure que je pensais l'avoir touché, mais enfin bon, on s'en fout. De toute façon, vu ce qu'ils ont fait, je vais pas me gêner non plus. Voilà, j'ai fait un petit peu de ménage, vous aurez fait une petite coupure, j'ai fait un petit peu de ménage, j'espère que on va s'en sortir. Finalement, j'aurais dû prendre cette mitraillette dans le camion tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est sûr que sur Phantom Pain, c'est plus facile, parce que cette main bionique vous rend le jeu mais tellement plus casual, faut le dire, hein, c'est plus facile, hein, c'est avec cette main bionique, le Rocket Punch, le truc pour étourdir, pour exploser, pour un NG outil, c'est vraiment beaucoup plus facile. D'ailleurs, ils ont même pas fait attention que le courant était fermé. Ils n'ont plus de caméra, mais ils s'en battent les couilles, mais d'une force, quoi, c'est incroyable. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas se faire choper par le tank, parce que je crois qu'il y a un petit tank qu'on extrait. Bon, c'est rare que je fais des trucs comme ça, où je me fais choper, parce que normalement, quand j'enregistre des vidéos, bah, je le coupe et je recommence. Mais comme là, le jeu est assez long, cette mission est assez longue, j'ai pas vraiment envie de la refaire. Oui, j'appelle... il me demande de faire attention aux marines et d'appeler l'hélico. Bah oui, mais je peux pas appeler l'hélico pour maintenant, mon petit Kaz, mon petit japonais, je ne peux pas l'appeler. Faut que je fasse un peu attention. Putain, oui, ils se sont relevés parce que j'aurais dû les tuer, hein. J'aurais dû, hein. Bon, on va essayer de passer comme ça. Et pas se faire chier avec cela. Partie des renforts là qui était là. Ah, il me demande de la tuer. J'ai pas le choix, il faut que je nettoie la zone. J'ai presque plus de munitions. Ah, on va passer par un autre endroit. On oublie les soldats, Lui, je vais lui régler son compte. Attends là. De toute façon, elle ira pas bien loin. Lui, je vais le tuer. J'ai passé par là. Par où on est arrivé? Ah, je vous avais dit que j'irais comme un salaud. J'irais aller comme un bourrin. Histoire du camp Omega. Alors, je veux bien, oui, qu'on nous dit de pas tuer. Mais non seulement, je peux pas les vultonner, mais en plus de ça, c'est assez dangereux. À se faire gaffe, c'est pas... je trouve que c'est un peu plus dangereux que les autres méthodes dire. Où tu pouvais rester caché, là c'est... Faut que je trouve... Ah, puis j'ai pas de boîte en carton, c'est le seul Metal Gear où j'ai pas de boîte en carton, c'est le seul, hein. C'est pas une blague, hein. Et comment on sait que la boîte en carton...
Comme on sait que la boîte en carton, elle est méga utile dans les Metal Gear, là ça fait un petit peu... un petit peu plus dur, voilà. Ça reste un grand regret qu'on peut pas choisir la voie qu'on veut. Alors je sais, oui, c'est une histoire... Et je vais faire regarder, si je peux vous montrer quelque chose. Attendez. Bon, je le ferai plus tard. Ça, c'est pour récupérer le patch XOF qui est rentré dans le package de boss. Mais on peut pas le récupérer. Le problème, c'est que l'hélico est super lent, hein. Bon, lui, il va me repérer, je suppose. Enfin, il va repérer l'hélico. Ça reste un gros problème qu'on peut pas choisir d'avoir en langue japonaise et en langue, ou en langue, anglaise, c'est obligatoirement langue comme ça. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont des problèmes de salaire, peut-être parce qu'ils avaient fait ça au MGS1, enfin au GMGS2, on avait plus de langue française parce que ça coûtait trop cher de payer les acteurs comme ça. Ils se sont dit alors ce sera vent anglais pour tout le monde. Donc je sais pas si c'est comme ça. Donc voilà, on a fini. Ils sont vraiment plus moins réactifs que sur les phobes. Bon, ils sont moins réactifs, voilà, on a fini. Je vais me taper une note dégueulasse et on se dira c'est la dernière vidéo. Voilà, c'est la dernière vidéo commentée, je ne ferai plus que des lives à partir de maintenant. Je vous expliquerai en fin de semaine pourquoi et comment j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos. En attendant, je vous dis portez-vous bien, puis à la prochaine fois, je vous conseille d'aller... je mettrai le lien de ma chaîne Twitch, de ma chaîne, peut-être que je connais live sur YouTube des mines. En attendant, je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien, et m'atteignez pour la vidéo d'explication pourquoi j'arrête les vidéos. Voilà. M'atteignez, et à la prochaine. ヒューイ、どうした？来客は予定通り。
資料は捨てて格納庫は除染、スタッフの口裏も合わせた。大型兵器は隠蔽、リークは海底に対し核弾頭も一緒だ。査察は君が帰る頃には終わってる。そっちは任せる。IAEAの連中、僕たちを平和の守護者だと思って帰っていくよ。 殺は全くの嘘だったんだ。爆音がして一気に奴らにはめられたんだ。クソ、返してくれ、返せ。俺たちの、クソ、あれは俺たちの。 目を覚ませ、切ろ、切るんだ。ああ、マス、貴様、この爆弾が。大丈夫だ、摘出した。 一つ。
サイファーは例の実験以来姿を隠している。もう何年も誰もその姿を見ていない。人を通して指示だけが飛んでくる。お前だけだ。ビッグボスと接触するために彼に直接会ったの。どこにいるか教えてくれ、サイファー。ゼロが今どこなのか。私は自分で選ぶことを知らない。住む場所、喋る言葉、自分で決める自由など一度もなかった。だがお前は今自由だ。お前の好きにしていい。ビッグボスは助かる。希望は持てる。本当にゼロを殺してくれる。お前のためではない。あなたはずっと昏睡状態だった。ええ、分かってます。どれくらいの長さか？あなたが眠っていたのは9年です。俺たちはなぜ生きている？なくした体も、死んでいった仲間たちの痛みだけが、いつまでも消えずにうずく。